Alors que Laetitia Hallyday semble former un couple très fusionnel avec Pascal B, cela ne l'a empêché d'aller à la rencontre de Sébastien Farran. Un étonnant rendez-vous. La veuve du taulier est à l'honneur dans les colonnes du magazine Publis qui leur consacre sa une et affirme que cette belle histoire pourrait avoir un impact très négatif dans l'affaire de l'héritage. Le fait que la maman de Jade et Joie passe beaucoup de temps en France avec son beau restaurateur pourrait être apprécié négativement par les autorités américaines. Un manque d'intégration pourrait être soulevé. Et alors que sa situation semble déjà très compliquée, son retour avec Sébastien Farran, son ancien conseiller de l'ombre, intrigue. Laetitia Hallyday a passé 2 heures avec lui. Malgré la fin de leur collaboration, tout semble aller pour le mieux entre Laetitia Hallyday et Sébastien Farran, qui se seraient revus. Public confirme leur retrouvaille et affirme qu'ils ont passé 2 heures ensemble. Un simple regard a suffi pour qu'ils se sautent dans les bras. La ravissante blonde s'est rendue dans son bureau pour lui renouveler sa confiance et en lui demandant de se charger de la promo du futur album du taulier, qui devrait débarquer dans les bacs le 25 octobre prochain. Cette proximité ne manquerait pas de titiller la jalousie de son nouveau compagnon.